Question que Loïc nous a posée tout à l'heure. Pourquoi venons-nous ici? Amen. Parce qu'il y en a déjà une sœur qui a reçu une vision, enfin le Seigneur lui a parlé, il y en a beaucoup qui ne viennent pas pour Dieu. Et honnêtement, ça nous fatigue. Et pendant la prière, on regardait depuis le local technique, il y en a un qui est au téléphone. Donc, pendant que certains chantaient, d'autres étaient au téléphone, c'est le bazar. Et très honnêtement, quand c'est comme ça, autant rester chez vous que d'aller là où les frères et sœurs viennent pour chercher Dieu et de se mettre au téléphone tandis que d'autres prient. C'est une insulte. Un manque de respect pour le Seigneur. Donc, nous vous invitons, s'il vous plaît, à éteindre vos portables, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, pareil, pour ceux qui mâchent des chewing-gums. Donc, c'est aussi un manque de respect. Tout à l'heure, Laurent me parlait, me disait qu'il y a des gens qui sont là, qui viennent depuis quelque temps, qui... Voilà. Sont en train de mâcher les chemins, c'est un manque de respect. Honnêtement, quand cette sœur a eu cette vision, je n'ai eu qu'une envie, c'est de tout arrêter et de rester chez moi. Parce que on ne veut pas mourir avant, n'est-ce pas? Amen. Et puis aussi un conseil, quand vous venez pour la prière, pour ceux qui veulent la prière, il n'y a pas que moi qui peux prier pour les gens. Vous avez des frères et sœurs qui sont là, il faut aussi s'orienter vers ces personnes.
D'accord? C'est important. Et il ne faut pas trop. En fait, il ne faut pas être idolâtre. Parce que c'est souvent à cause de vous, à cause des chrétiens, que des pasteurs deviennent gourous. Et c'est ça souvent le problème. Parce qu'on tire tellement sur eux, on est tellement focalisé sur les hommes, qu'ils finissent par donner des tarifs, inventer des offrandes. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on arrête. Nous voulons être des adorateurs du véritable Dieu. Il y en a qui prient, je voyais dehors, il y en a qui étaient en train de parler fortement, donc à haute voix, et ça dérangeait ceux qui étaient à côté. Vous voyez, le portable, je vous ai demandé de les éteindre, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment un bazar. Et ça, c'est pas correct. Et personnellement, j'ai hâte qu'on arrive au 6. Je pense, même si ça continue, on va arrêter avant. Et comme ça, on va passer à autre chose. Parce que quand on enseigne aux frères la parole, quand on dit aux gens, qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il faut qu'on applique cette parole. Il faut qu'on reste sur la parole. Et si on ne veut pas l'appliquer, ben Dieu nous demande de passer à autre chose après. Voilà. Et si le Seigneur nous a demandé d'arrêter avant le 6, c'est justement à cause de tout ça. Parce que des chrétiens chosifient les prédicateurs. C'est pas correct. D'autres, tout ce qu'ils veulent, c'est la guérison, et Dieu, ce n'est pas leur problème. Voilà. On veut la guérison et le reste. Si les uns prient, eux, ils ne prient pas. Ils sont là, ils attendent seulement, mais la guérison, vous ne l'aurez pas comme ça. Il faut d'abord aimer Dieu. Ah ouais. Le Seigneur l'a dit, hein, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est pas moi qui le dis. Les gens viennent, ils prient, ils sont dans les magouilles, ils sont dans les trafics des faux papiers. Ils vivent en concubinage, ils ne sont pas mariés. Mais ils fréquentent les assemblées depuis des années. Et on a des problèmes dans nos églises. Du coup, quand Dieu envoie un ministère, quand Dieu envoie un prophète, et souvent, ce sont les chrétiens qui le tuent. Parce qu'ils sucent tellement, qu'ils sont tellement. Ils le bouffent, ils le mangent. On voit souvent les mêmes personnes. Ah, prie pour moi, j'ai cette fois-ci douleur ici. Non, on n'est pas des. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas des médecins. Amen. Et parfois, nous disons non, à la fin, on ne veut pas voir des gens parce qu'on est fatigué. Et souvent, les gens, ils ne comprennent pas. À croire qu'il y en a, ils pratiquent la sorcellerie pour tuer les ministères. Vous voyez le portable? C'est honnêtement, on a hâte de passer à autre chose, je vous assure. Et souvent, ceux qui sont vraiment pour le Seigneur, qui viennent pour le Seigneur, souvent ils sont, ben, ils sont, ils subissent. Alors, les mêmes personnes pour qui on a prié, on ne va plus prier pour ces personnes-là qui vont faire encore la queue pour la prière. Non, il faut, on n'est pas, ce n'est pas une cure qu'il faut suivre ici, là. C'est la parole qu'il faut qu'on applique. Et puis le respect des uns des autres. Vous êtes chrétien, mais quand vous venez, il y en a qui ne se respectent pas. C'est saluer, le savoir-vivre, dire bonjour à l'autre. On a des problèmes. Hein. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs vous manipulent. Parce qu'ils voient que beaucoup n'aiment pas Dieu parmi vous. Donc du coup, ils en profitent. Je vous dis. Parce que beaucoup qui sont là, même si ils sont là depuis 2 ans pour suivre les enseignements, ils vont quand même aller vers des charlatans pour donner leur argent. Vous voyez, c'est la parole ne les intéresse pas. C'est la bénédiction que les gens veulent, que beaucoup veulent. Amen. Donc, très honnêtement, il faut, vous et moi, là, moi comme vous, je viens aussi pour le Seigneur. Moi-même, je suis en train de chercher Dieu. Voyez? Amen.
Donc il faut qu'on soit des adorateurs du Seigneur, pas de ceux qui s'attardent sur les hommes. Non. Oh, c'est lui, c'est un tel, c'est elle, tout ça. Non, c'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça. L'homme est comme ça là. Vous savez, quand Dieu envoyait des juges, durant la vie des juges, les gens craignaient Dieu, faisaient ça semblant de craindre Dieu. Quand ce juge mourait, il repartait à l'idolâtrie. Et Dieu est triste quand il voit qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour l'adorer. Et moi, je ne veux pas voir mon Dieu triste. Et quand c'est comme ça, ben, comme je vous dis, j'ai hâte de finir pour passer à autre chose. Peut-être aller voir les frères et sœurs dans les maisons tranquillement, cachés. Parce que honnêtement, non. Il faut qu'on change. Les gens viennent, mais beaucoup ne veulent pas changer de caractère, ne veulent pas se convertir. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Comment? Voilà, c'est ça. Ok, on va vous donner le micro. On va lui donner le micro, Laurent, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je vais compléter ce que l'ami a dit, puisqu'il faut se méfier maintenant de dire frère et sœur à chacun de nous, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la salle. Comme cela, chacun reste chez soi. On a un rapport individuel avec Dieu. Dieu. Voilà. Il n'est pas admissible que tous les samedis, vous répétez les mêmes choses, et tous les samedis, ça se répète. Le problème de place, j'ai entendu, et tous les samedis c'est pareil, on réserve des places pour des gens qui sont au travail. C'est pas normal. Voilà. Mais je me pose la question, lorsqu'on ira devant Dieu, est-ce que les places seront déjà réservées? Et qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là? Voilà. Et là, j'ai vu une scène qui est souvent, bah, je viens un samedi sur deux, et là j'ai vu une scène où des sœurs qui sont en train de se disputer, les places sont là, elles sont... Le micro, c'est... Voilà, excusez-moi. Ouais, deux sœurs qui se disputent. Non, mais je remercie mon ami. Voilà. Eh bien, on va fermer la salle parce que comme cela, chacun sera chez soi pour prier son Dieu, pour avoir les guérisons, puisque chacun... Il y en a qui viennent pour cela, il y en a qui ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, qui ne viennent pas pour l'obéissance à Dieu. On le voit déjà pour les places. Les gens se disputent, les gens mettent des carnets sur au moins un pan de chaise, alors que les gens sont encore à l'extérieur. À la limite que la personne est en train de ranger sa voiture, qu'on lui garde la place, ou est en train de manger, oui. Mais la personne là, on a entendu, là, j'ai entendu tout à l'heure, oui, elle est au travail, oui, mais elle est en train de se pomponner, oui, mais elle arrive. Et ça ment en plus. Voilà. Voilà. Ça se dit chrétien. J'ai vécu un samedi où il y a une dame et son mari d'un certain âge qui sont arrivés un peu en retard. Et il y avait une place où il y avait un jeune homme qui était assis, et on a demandé gentiment à la mère de déplacer le petit pour qu'une des personnes âgées prenne la place. Et la mère a refusé. Wow. Oui, elle a refusé. Et la mère de ce petit a présenté un frère pour lequel il y a eu une parole de connaissance qui était venu ce jour-là. J'ai encore le souvenir, M. John. Et la personne va se reconnaître. Et je trouve ça inadmissible. Simplement. Voilà. Parce que ce sont nos habitudes hein, de les assemblées que nous avons fréquentées, si, si. qu'on importe encore ici. On exporte encore ici, voilà. C'est vraiment dommage. Malheureusement. Voilà. Et ça me tenait à cœur. Non, honnêtement, ça me tenait à cœur de le dire. C'est bien. Et je remercie l'Éternel de m'avoir apporté l'opportunité ce samedi-là de le dire. Je vous remercie. Alors, soit vous continuez dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, et on arrête ça, c'est le dernier samedi. Moi, je passe à autre chose. Ou soit on va aller jusqu'au 6. Mais il faut que les gens, il faut qu'on arrête. Hein? Qu'on arrête de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le monde entier, n'ont pas cette grâce que certains ont de pouvoir partager la parole sur place comme ça. Mais on ne va pas tous les samedis répéter la même chose. Une sœur, comme je vous disais, que j'ai eue, Dieu était triste parce qu'il voyait que les gens ne venaient pas pour l'adorer beaucoup. C'était pour adorer les hommes, pour m'adorer pour... Je dis non, moi je ne veux pas de ça.
Non. On entend, par exemple, les frères qui me disent, l'équipe, tout ça, là, comment les gens se comportent. C'est le bazar. Vous avez des gens qui viennent, tout de suite, ils vont de l'autre côté là-bas pour aller servir du café, tout ça. Et ces gens-là, vous leur demandez, est-ce que vous avez déjà amené un paquet de café? Un sachet de café? Rien. C'est le bazar. C'est vraiment, c'est le monde à l'envers. Vous savez, en fait, vous donnez les choses gratuitement aux chrétiens, ils vont prendre tout le corps. Pas tous, hein. Mais je vous dis, on supporte. Il y a des gens qui viennent, ils vont voir des frères et sœurs tout de suite. On veut de l'eau. On leur dit, mais c'est pas tout de suite. Ah non, on veut de l'eau. Moi, je suis en train de manger, il faut de l'eau. Mais les églises d'où vous êtes sortis, là, est-ce qu'on vous donne de l'eau gratuitement? Voyez? Et comme le frère disait, effectivement, on veut reproduire. Heureusement que ce n'est pas une église qu'on arrête bientôt. On veut reproduire la même mentalité. C'est pour cela que des pasteurs profitent de vous comme ça. Parce que quand il y en a qui viennent et qui vous disent, allez vers Dieu pour vos problèmes, vous vous dites, non, c'est vous que nous voulons voir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont fatigués? Ils finissent par dire, donnez l'argent. Ils finissent par coucher avec des femmes. Je vous dis, il y en a, vous leur dites, non, on est fatigué, on ne peut pas recevoir. Ah non, on revient de... Mais vous comprenez que les hommes se fatiguent aussi? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Voilà, l'idolâtrie. En fait, c'est plus que l'idolâtrie. C'est-à-dire, je pense à mon intérêt, et l'intérêt des autres n'est pas mon problème. Je prends et je m'en vais. Non, il faut qu'on soit correct. Je vous pose la question, on fait quoi? Voilà. Ouais, on va partager. On vous donne le micro là. Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé encore. Oui. Tous les samedis ici, il y a toujours des problèmes avec les places. Des personnes qui laissent des bibles, des sacs, pour réserver des places pour des personnes qui... Le monsieur l'a déjà dit. Mm-hmm. Mais franchement, ça fait honte. Mm-hmm. Ça fait honte de voir tout le message qui est donné, toute la parole qui est donnée, toute la bénédiction qui descend, de faire honte comme ça à Dieu. Franchement, il faut fermer. Puis chacun va chercher son Dieu chez soi. Parce que le salut est personnel. Ok. La sœur qui a levé la main là. Justement, si on parle tous en même temps, c'est tout ce que nous dénonçons aussi. Bonjour. Je voudrais tout simplement dire que les samedis, c'est vraiment dommage qu'on arrive, parce que nous, on arrive quand même assez tôt, on habite très loin. Mm-hmm. Et quand on arrive à 9h déjà, sur toutes les chaises, il y a déjà des bibles, de quoi que ce soit, ou des gens qui sont déjà encore à la maison. Nous, on quitte la maison vers 6h parce qu'on habite très loin. Mais quand on arrive, il n'y a plus de place. Parce que tout est réservé pour des gens qui sont encore à la maison, qui vont arriver à midi, par exemple. Ou à 1h. Mais les places sont réservées pendant longtemps. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre la discipline, mais continuer sagement, c'est tout. Mais il faut mettre la discipline. Il faut faire asseoir les gens. Il faut enlever les bibles. Il ne faut pas faire de réservation. Et quand on arrive, celui qui arrive, il s'assoit là où il n'y a pas de place. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Nous, on est venus écouter la parole de Dieu. On n'est pas venus pour jouer. Voilà. C'est lui qui sait qu'il n'a pas, il n'est pas venu pour, il est venu pour jouer. Il rentre chez lui, sans, tranquille. On continue. Voilà. D'accord? Excusez-moi. Là-bas, oui. Ils n'ont pas pris le micro, là-bas aussi, ouais. Vous voulez? Ouais. Moi, ce que je voudrais dire... Ici, j'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais vu une assemblée comme ça. Et parce que je suis en face de vous, non, j'ai jamais. Je suis passé dans les autres églises. J'ai fréquenté des églises, mais une assemblée de comme ça, j'ai jamais vu ça.
Je suis venu ici pendant 5 samedis. Au 5e samedi, le Satan qui était sur moi était parti. Je l'ai vu parti. Et quand je suis arrivé ici, dans la soirée, j'ai vu que j'étais debout. Il y a une dame blanche. J'ai jamais vu cette couleur-là. Il a une couleur extraordinaire. Et puis il y a des trucs qui sont passés comme ça, une lumière. Alors j'étais debout. Elle m'a fait comme ça. Elle a dit, asseyez-vous ici. Et puis au moment, il est assis par terre, et puis vous et tous les autres membres que vous avez avec vous autour des gens blancs là comme ça. Alors je dis merci à Dieu. S'il vous plaît, ne fermez pas. Donnez-nous une autre chance. Quand je suis venue ici, j'étais perdue. J'avais perdu d'espoir. Jamais. J'avais perdu d'espoir. Je suis arrivée, j'étais toute seule à la maison. Je dis, si je reste à la maison, je vais mourir. Je vais monter aller trouver ma fille. Quand je suis arrivée, ma fille n'est pas là. Je suis plongée sur le canapé. Et ma fille a regardé TVDV. Et puis, il m'a apporté l'iPad. Je regardais. Je dis, Sandra, où se trouve cette église? Il dit, ah, je ne sais pas. Il dit, demandez pour moi. Il a cherché. Ils l'ont trouvé. Je suis venue. S'il vous plaît. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons besoin. Nous pourrions bien rester chez nous, manger, dormir, garder la télé. Mais je suis venu ici. Eux, ils sont venus ici. C'est pour besoin qu'ils sont venus. Alors que l'Éternel va faire son travail. Amen. Vous avez un travail extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des gens là-dessus qui viennent venir là. J'ai parlé, j'ai téléphoné. Vous êtes un homme béni. Vos enfants, vous seront bénis. Et tous les gens qui sont avec vous, tous seront bénis. Merci pour l'accueil que vous m'avez fait. Merci la grâce que vous m'avez accordée. Merci beaucoup, parce que j'étais perdue. Franchement, je croyais que j'allais mourir. Mais l'Éternel a dit, non, tu vivras et tu raconteras le sève de l'Éternel. Merci. Là-bas. Ouais. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Mm-hmm. Amen. Bon, comme ils ont parlé de la fermeture, c'est pour cela que je veux parler. En fait, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a élu. Mm-hmm. Quand Dieu choisit, il n'y a rien à faire. Et la vérité est là. En voici des gens qui pleurent. Nous, on pleure. Il y a des gens qui en ont besoin. Toujours la Bible dit que parmi les brebis, il y a toujours des brebis galeuses. Ce n'est pas pour ces brebis galeuses que nous tous, on va subir. C'est vrai, on en a besoin. L'homme n'est jamais juste. Toujours. Toujours. Donc, ça dit la dame pleure. Moi-même, ça dit, c'est ce que je voulais dire. Nous, on pleure. On en a besoin. Pourquoi on se promène? C'est pour cela, je dis toujours, des gens sont ensemble, mais on n'a pas les mêmes prix. Il y a des gens qui sont honnêtes. Ils sont véritablement honnêtes. Mais les compagnies, là, quand ça ne va pas, si tu as une soeur à côté ou un frère à côté de toi qui ne veut pas regarder dans la même direction, il faut t'en séparer. Sépare-toi et suis ton chemin. Donc l'homme qui est là, il est là pour nous. C'est-à-dire Dieu, c'est une grâce. Toujours je dis, c'est une grâce pour nous. Donc donnons l'occasion aux autres pour venir, parce que c'est nous qui allons être des annonceurs de l'évangile pour que des autres viennent pour en bénéficier. C'est ce que j'ai dit toujours. Vraiment, homme de Dieu, ne fermez pas. Continuez, ce n'est pas l'homme qui vous a choisi. Ils vont faire, ils vont payer. Y a mais pas si on problème. Adore l'homme maintenant, on fait comment? Adorer l'homme, celui qui adore l'homme, il va avoir les conséquences. Mais ça, il y a un jugement. Mmh. On est là pour l'esprit, on n'est pas là pour vous. Moi, je ne suis pas là pour vous. Mmh. C'est bien. Moi, je ne suis même pas là pour vous-même. C'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, soyez bénis, mes frères. Oui. Alain, le... Oui, ouais, Alain, oui. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est partagé parce que moi aussi, j'ai hâte que ça se termine. Et d'un autre côté... il y aurait un petit regret parce que c'est vrai que à travers le ministère que tu as reçu et que l'équipe a reçu, nous sommes vraiment bénis. Et je suis tout à fait d'accord parce que oui, il y a des brebis galeuses,
mais on ne doit pas effectivement trinquer pour ces brebis-là. D'accord ? Il y a des mois, Gérard est là comme témoin, nous avons vu effectivement des mauvais comportements. C'est vrai que ce que le dit le frère tout à l'heure, on a vu des parents refuser à ce que les enfants se lèvent. Moi, j'ai 68 ans et je suis heureux quand je donne ma place. Je ne peux pas toujours la donner parce que, bon, bah, des fois, je suis vraiment fatigué. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal que les enfants ne se lèvent pas quand il y a des personnes âgées qui sont debout. Mais ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. La Bible dit dans Deutéronome 4, 6 et 11 que c'est aux parents d'élever les enfants selon la parole de Dieu. Alors, moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que quiconque. J'ai aussi mes travers, mes défauts. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour le ministère qu'il a donné. C'est vrai qu'on est partagé, comme je le disais tout à l'heure. Quelque part, oui, j'ai hâte aussi que ça se termine parce que par moments, je me dis, mais est-ce qu'on ne vient pas comme on venait tous les dimanches matin aussi? Mais ceci étant, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont connu le message que très récemment. Et ils ont besoin encore de l'entendre de visu. C'est vrai qu'on peut le regarder sur Internet. Moi, je peux le regarder sur Internet. Mais je dis, Seigneur, je vais venir toucher le pan de ta robe encore samedi. Et ce n'est pas pour me valoriser. Je ne veux pas me faire voir, comme je l'ai dit. Je ne veux pas être un hypocrite devant tout le monde parce que j'ai le micro. J'ai mes combats comme vous. Mais c'est vrai que Jésus a dit de se pardonner réciproquement. Je souhaite de tout cœur pardonner à ceux qui se comportent mal, mais parfois, moi aussi, mes comportements ne sont pas à la gloire de Dieu. Et donc, Jésus, il a su nous pardonner. Alors, pourquoi ne pas pardonner et continuer jusqu'au 6, à moins que Dieu te donne vraiment une parole. Alléluia. Le frère Shura m'a devancé. Ça fait maintenant 2 semaines. Vous pouvez me demander au frère Blanchard. C'est d'abord très honteux. Ça fait 2 semaines, même j'ai dit même à David, il faut que je prenne le micro. Mais quand j'ai vu les frères qui se sont alignés pour la prière, ça m'a retardé. Si je suis resté à côté de l'apôtre, je voulais prendre le micro en dernière minute. Frère Chora, vous m'avez dévancé. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je suis. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Et je vais vous donner un exemple. Vous tous, sur la 5, vous suivez l'émission des animaux. L'émission des animaux. Il y a des buffles. Tous les animaux sont en groupe. Mais le lion, il n'est pas dedans. La panthère n'est pas dedans. L'ours n'est pas dedans. Ils se mettent au bord. Ils se mettent au bord. Et qu'est-ce qu'ils convoitent? Quand les animaux courent, ils guettent les plus faibles. Ils prennent les plus faibles. Depuis qu'on est dans cette salle, et je vois, et je remarque, mais il faut faire des remarques. Quand on sort, on fait des remarques. Quand tu ne connais pas le passé d'une personne, tu ne peux pas la critiquer. Et tu ne peux pas l'aimer au plus. Il faut d'abord connaître d'abord son passé. On a eu des passés. Chacun. Et ça m'étonne que les gens viennent ici pour prendre au Seigneur, pour monter dans la barque. Et depuis, ça a été annoncé ici, il nous restait combien? 3 minutes. Si vous avez oublié, le Seigneur a montré au frère Shura 3 minutes. Mini moins 3 minutes. Alors, pourquoi nous dormons? Et après la prière, j'ai horreur que d'autres encore s'alignent. Ceux qui s'alignent, ils n'écoutent pas la parole. Ça murmure. Quand je dis, je suis au boulot et je cours, c'est pas pour me montrer que je m'assois là, que je sois assis au dehors. La parole,
pour laquelle je suis venu, ça va me pénétrer. Mais quand tu es là, les mumus, toilettes, ça dérange. Ça dérange. Et c'est pas parce que je prends le mieux que je parle, mais je pleure aussi pour l'équipe de TV de vie. Ils ont les mêmes occupations que nous. Et le frère, je ne suis pas venu pour lui, mais quand même, lui aussi, il a sa famille. Comme Dieu l'a choisi. Il donne sa vie pour nous. Et au moment où on prie, au moment où on chante, d'autres croisent les pieds. Après, ils attendent la guérison. Mais la guérison n'arrive pas comme ça. Je ne m'invente pas. Quand je prie à la maison, ma femme me dit, ben allez, ils sont en bas. Je crie, parce que je sais pour qui je vis. Voilà. Et quand le frère fait les gestes, vous ne rendez pas compte. Même, j'ai même envie même de l'accompagner. Quand tu sers ton Dieu, j'ai dit, Seigneur, que tous mes membres de mon corps te louent, pas seulement le cœur. Alors, je ne connais pas la sécurité sociale. Jamais, j'ai été là-bas. Quand on disait, il y a déficit, j'ai pris mon bulletin de paie, je suis allé. J'ai dit, je vais voir ma prison de compte. Parce que je cotise. Le jour que Balé est malade, comment il va pour se faire soigner? On dit, non, ici, c'est pas la banque. Il dit, non, je cotise. Donc, je ne connais pas la sécurité sociale. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut plus de. Et en plus, je ne porterai pas d'écharpe quand il y a l'hiver. Quand je monte dans le train, les gens se tournent. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis né au chaud. Et de ne pas de bruit. Je suis né dans le bruit. Alors quand je prie, c'est avec. Il a dit, lui et moi avec force. C'est lui qui me donne la force. Alors, si on est venu là, c'est pour trouver la guérison, la délivrance et la parole. Voilà. Et il nous reste, il a dit, et c'est quoi, je l'aime, parce qu'il parle selon la parole. Avant de venir ici déjà, je sais, on dirait, on s'est connecté. Des fois, quand il parle, quand il prend un sujet, il dit, mais comment Dieu? Comment est Dieu? Tous les jours, s'il fallait rendre témoin, arracher le micro au frère, je pouvais le faire, mais ce n'était pas pour vous perturber. Mais vous êtes maintenant des perturbateurs. Voilà. Vous êtes maintenant des perturbateurs. Je crois que vous êtes venus pour la parole. Alors que ce qu'on a vu dans les autres églises, si vous voulez l'amener ici, alors il est mieux que chacun reste chez lui. Ce que Dieu avait dit à Gédéon, c'est pas moi qui va vous trier. Ceux qui sont venus pour la parole restent. Dieu a dit à Gédéon, on va croiser des géants. Alors, ben, si tu as peur, ce n'est pas la peine d'aller. Et j'ai dit, ah, moi, je m'assois. Sur 32 000, il en sait combien? Alors, vous êtes nombreux, si vous êtes venus pour crier, ouais. Alors, je ne désigne personne que c'est toi, que vos consciences vous grondent. Vous voyez le petit? Oui, l'enfant, là. Le petit, il attendait des chansons. Alléluia! Alléluia, alléluia. S'il n'y avait pas des hommes, il allait le porter, puis aller là, prendre main au micro. Il entonnait des chansons, et je vois, on est là, on attend le frère Chora. Non. Il dit, lui-même, il cherche Dieu. Il le cherche, personne ne le connaît. C'est Dieu qui nous connaît, personne ne le connaît. Quand je vois des débats à la télévision, qu'on fait des débats sur Dieu, il dit, mais cela, la personne qui nous connaît, et on ne le connaît pas, on fait des débats. Et il nous attend la dernière perche. Et vous voulez faire rater d'autres. Alors, je ne cite personne. Comme Gédéon avait dit il dit, allez-y au bord de la mer. Au bord du fleuve. Ceux qui vont boire comme un chien ou tant de cela, on va s'étrier. Frère Chora, vous n'avez pas besoin d'arrêter. Si c'est celui de là-haut qui vous dit, on ne pourra pas donner l'occasion
Oh, à Satan. D'ailleurs, un frère, il avait veillé, il avait eu ce songe. Il m'en a parlé. Il dit, bon, je vais parler au frère Chora. On vient ici. On a fait tous faire l'Afrique, le village. Là où on met des pièges, c'est là où passent tous les animaux. Vous n'avez pas fait le village. Dans les champs, on met les pièges là où passent beaucoup d'animaux. Pour attraper quoi? Une biche. Alors là, vous n'êtes pas seul. Alors Satan, tu as échoué. Voilà. Au nom de Jésus, tu as échoué. Ce ministère va continuer jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà. Que le Seigneur lui-même prend la décision. L'équipe TV de vie, vous êtes bénis. 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 C'est pas parce qu'on a... C'est le derrière. On connaît la distance qui est déjà parcourue, mais on ne connaît pas le devant. Et qui va lire maintenant? Chacun va lire maintenant sa notice. Lui qui lisait la notice, Dieu lui a dit le 6 décembre, on quitte ici. Chacun va lire maintenant sa notice à la maison, la parole. Et le plus souvent, ce n'est pas celui qui lit la notice qui... Ce n'est pas celui qui lit la notice. Il peut oublier. Mais toi, femme, toi, enfant, si le papa lit la notice pour mettre la télévision en marche, lui, il lit la notice et il met la télé en marche. Mais un jour, quand la notice va se perdre, lui qui a lu la notice, lui, il se fie à la notice. Mais toi, tu as écouté. Toi qui as écouté, parce qu'il y a écouté et écouté. Quand tu écoutes avec le cœur, ça rentre. Quand tu pries avec le cœur, c'est la prière. Mais pas comme une rite, comme à l'école primaire, on va te donner des notes. Ce n'est pas ça la prière, c'est la parole. C'est la parole. Et on a tout ici. On a tout ici. Alors que voulez-vous? Donc frère Chora, le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Dit que Gbalé, viens là. Mais c'est celui qui vous a choisi. Il a dit. Et on a tout. On a tout. On a tout. On a tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, pourquoi viens-tu ici? Je viens ici pour Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Je viens pour Jésus. Et d'ailleurs, le frère qui vient de prêcher là, pour qui nous sommes venus, c'est pour Jésus. Voilà. Et quand on vient pour Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu viens pour Jésus, on respecte. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est aussi honteux. Quand la vision descend, Azoniono, il est là. Et puis je vois encore d'autres. Je suis gomme. Qu'est-ce qui nous empêche de se coucher? On est venu pour le roi des rois. Si c'était pour Hollande, vous allez vous précipiter, vous allez vous précipiter. Mais le roi des rois descend. Donc on est venu pour Jésus, on n'est pas venu pour un homme. Et des fois quand il dit, il prie, je vois d'autres pour faire la prière, ils font la queue. Mais si ce n'est pas le frère Chora, et quand il vous dit encore oui, c'est bon. Ils ne sont pas sûrs. Et là, c'est pas pour me montrer. Cette nuit, quand j'ai prié, j'ai dit, comme nous sommes têtus, alors Seigneur, mets à cœur à ton serviteur et dis, ceux qui ont mal aux yeux, récupère la vue. Parce que vous êtes nombreux et chacun va recevoir. Si vous êtes venu pour la guérison, mais moi, je suis venu pour la parole. Amen. Avec la parole, je peux faire. C'est comme lire une recette et ne pas savoir cuisiner. Voilà. Puis à la recette, tu ne peux pas préparer. C'est zéro. Cette parole, elle me fortifie. Elle me fortifie. Les attaques que je vais dire maintenant,
aux frères, pas vous, mais ceux qui ne voulaient jamais que vous alliez servir Dieu. Dans cette nuit, je priais. En même temps, parce que comme vous êtes, on est têtu. Je priais et ils m'ont pris. On m'amène. Il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où on m'amène? Au milieu des policiers, des gendarmes. Et ils m'ont dit, non, celui-là, non. C'est pas celui-là qu'on veut. Ramenez-le là où vous l'avez pris. Et ils m'ont ramené et je me suis réveillé. D'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un fait signe là-bas, c'est quoi? Ça ne va pas là-bas et il se passe quoi? Si c'est un problème personnel, il faut le régler entre vous. Ok. On lui donne le micro. Excusez-moi. Donc je me présente, comme tout le monde l'a dit ici. Mm-hmm. Les gens prennent les places des autres. Mm-hmm. Donc on vient de Rouen. Mm-hmm. Donc on quitte Rouen à 6h30 du matin, 7h. Mm-hmm. On est arrivé ici ce matin. Déjà, on ne pouvait pas s'asseoir. Les gens avaient mis des bibles partout. Donc on était obligé de refaire demi-tour pour revenir ici. D'accord. Donc on s'est installé, il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde explique un petit peu qu'il faut qu'on arrive à se respecter les uns les autres. Mm-hmm. Et écouter quand une personne parle. Et le frère parlait. Et malheureusement, derrière, il y avait des murmures. Mmh. Donc, on a demandé qu'il n'y ait pas de murmures et je me suis fait agresser. D'accord. En me disant que j'étais impoli ou quoi que ce soit, j'ai dit non, le respect, c'est pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un âge pour dire à quelqu'un, si aujourd'hui le petit Martin veut dire quelque chose, on doit l'écouter. Mmh. On n'est pas là pour dire, parce qu'il a 70 ans ou l'autre a 5 ans, qu'on ne l'écoute pas. C'est par rapport à ce que le Seigneur met sur le cœur de tout un chacun. Mmh. Donc, si on veut avancer, il va falloir qu'on mette chacun de notre cœur. Si on ne le fait pas, de toute façon, le Seigneur, de toute façon, il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc, au bout d'un moment, si le 6, la date arrivera avant qu'on coupe, on coupera et puis c'est tout. Ok. Vu que les gens ne comprennent pas. Merci. Alors, je crois que on va s'arrêter là. Et on a à peu près fait le tour, voilà, donc de la question. Et oui, donc on fait le point, on arrête là pour l'instant, là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous savez, oui, non, mais le problème c'est que, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein, s'il vous plaît, parce que ça fait aussi partie de l'ordre. Vous savez, c'est pas dans toutes les assemblées où les gens ont cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc, et tout ça, là, il faut de l'ordre. D'accord? Amen. Voilà. Donc, en fait, voilà pourquoi, pour ceux qui sont venus nouvellement également, ou ceux qui nous suivent chez eux, voyez, tous ces problèmes sont très, très révélateurs. Pourquoi nos assemblées sont dans cet état-là? C'est parce qu'il y a très peu de conversions, très peu de convertis. Voilà. Très peu d'hommes et femmes qui cherchent réellement Dieu. Le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est comme Paul disait dans Philippiens, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Et pendant des années, depuis des années, on assiste à des problèmes graves au sein de nos assemblées, de manière globale, des enseignements erronés qui sont donnés, des enseignements qui sont faits pour dépouiller les chrétiens, on le voit, vous le voyez vous-même. Mais le problème, c'est que quand Dieu maintenant envoie une parole, ici et là, ceux-là qui sont censés la recevoir afin de mieux servir le Seigneur, eh bien, ils vont beaucoup malheureusement rentrer dans la distraction. Et comme les uns les autres l'ont dit,
on va se retrouver ici pour prier. Il y en a, on le voit hein, quand on est devant, et c'est très insultant. Ils sont en train de mâcher leur chewing-gum. Et on n'arrête pas de le dire. Arrêtez cela. Et souvent, tu vois les mêmes personnes. D'autres, comme on le voit, le téléphone sonne, ils sont en train de parler. Mais on se dit, mais de qui se moque-t-on? Est-ce que vous pouvez vous retrouver comme ça devant un président, par exemple, et vous mettre, hein, dans une réunion avec un président, vous mettre à parler au téléphone? Parce que là, il est question du Seigneur ici. Donc c'est très insultant. On voit des gens qui viennent de loin, effectivement, qui viennent et qui trouvent des places qui sont déjà prises. On voit des gens qui viennent depuis des années, qui sont là depuis des années dans le ministère même, et qui ne sont même pas capables de se lever pour laisser la place aux nouveaux. Pour se retrouver parfois dehors. On se dit, mais en fait, ils n'ont rien compris. Rien. En fait, c'est toutes ces choses qui font que quand on aime le Seigneur réellement, on se dit, on est c'est lassant, on se dit, bon, on veut passer à autre chose. Voilà. C'est pour cela que vous verrez que quand un pasteur reçoit un appel, un frère prédicateur reçoit l'appel, s'il ne part pas de son assemblée après l'avoir implanté, ce sont les chrétiens qui finissent par le tuer. Parce qu'il y a tellement la pression par rapport au péché qu'à un moment donné, remarquez bien ceux qui ont bien commencé, à un moment donné, ben, ils finissent par partir dans tous les sens parce que ce sont ceux qui sont là. Parce que quand ils dénoncent le péché, les gens continuent le péché. Et ils continuent quand même à venir à l'assemblée. Quand ils dénoncent les magouilles, ils continuent à les magouilles. Ce n'est pas normal que vous veniez comme ça et pour réserver des places à ceux qui ne sont pas... Ça, ce n'est pas chrétien, ça. Non. Donc, honnêtement, ça c'est pour moi, là, je dis Seigneur, c'est le dernier avertissement. Si on voit qu'on continue encore, les gens continuent encore dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, je ne vous cache pas, on n'arrivera pas au 6, hein. On arrête. C'est clair. On va arriver un samedi comme ça, on dira c'est le dernier samedi et on n'ira pas jusqu'au 6 décembre parce qu'on ne veut pas que Dieu, quand la sœur a vu que Dieu était triste quand elle a reçu ça, j'étais mal pour demander aux frères et ceux qui étaient là. Je dis, mais, et je vois effectivement, c'est, non. Il faut savoir ce que l'on veut. Nous, on ne sert pas Dieu pour la guérison, non. On ne sert pas Dieu pour l'argent, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Et n'allez pas devant le Seigneur pour recevoir et partir ensuite. Non, c'est pas correct. Et on voit les gens faire la queue, là, parfois, là, pour la prière. On voit comment ils se déplacent pour... Ils ne veulent pas que d'autres frères prient pour. On le voit. Et souvent, c'est les mêmes personnes aussi qui font la queue pour la... Les mêmes personnes disent, mais qu'est-ce que vous... Comment, jusqu'à quand allez-vous comprendre les choses, là? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez ces choses-là? Dieu peut se servir de quelqu'un, même d'un enfant, pour prier pour vous, afin de vous délivrer. Dieu fait ce qu'il veut. En tout cas, personnellement, j'ai hâte. D'ici la fin de l'année, je crois qu'on va se retrouver vraiment dans des petits groupes et pour éviter tout ça. Parce que quand on est dans des petits groupes, on se connaît mieux. On sait à peu près qui est qui. On peut mieux prier, mieux adorer le Seigneur. Voilà. Comment? Donc il faut grandir. Quand on dit à la fin on reçoit pas, eh bien à la fin on ne reçoit pas. Quand vous allez voir vos bishops là-bas, quand il y a des programmes, est-ce qu'ils vous reçoivent à la fin? Soyons sincères. Mais quand on dit à la fin on reçoit pas, comprenez aussi. On n'a pas le temps, pas forcément le temps, parce qu'il y a autre chose à faire. D'accord? Amen. Voilà. Vous venez, on vous donne de l'eau gratuitement. On vous donne les journaux gratuitement. Et c'est la parole gratuitement, les livres, tout ça, la Bible qui va être imprimée. Vous vous rendez compte de la grâce et les gens veulent fouler ça, foulent même cette grâce. Et
Désormais, quand vous allez venir là jusqu'au 6, là, à moins que Dieu me dise vraiment là, tu arrêtes avant, il faut qu'on soit dans une attitude de prière. Qu'on ne vienne pas s'asseoir et s'attendre à ce que les choses se passent. Non. Venez, commencez à prier vous-même. À partir de samedi prochain, c'est prière sur prière. Prière sur prière. Là, là c'est clair. Si tu n'adores pas, tu peux rester à la maison. Si tu viens ici, tu te prépares déjà en jeûne et prière pour venir prier, adorer. Voilà. Donc, si tu invites ton mari et ta femme, il ne faut pas l'inviter pour dire, viens voir. Tu lui dis, allons prier. Voilà. Et pendant la prière, là, si quelqu'un à côté là, commence à vouloir te parler, il faut lui dire, tais-toi. Je ne suis pas venu ici pour être distrait. Voilà. Et si on ne voit pas ça, je vous dis, on arrête. Carrément, là, on arrête, on passe à autre chose. Il y a des gens ailleurs qui ont peut-être besoin de, qui ont besoin de ça. Eh bien, on ira ailleurs et puis c'est tout. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Ok.